Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Relative à l'assassinat de Maître Montferrier d'Orval, pour une fois, le système judiciaire haïtien est mis à l'épreuve et doit mettre tout en œuvre pour que lumière soit faite autour de ce crime. Nous avons recueilli des témoignages qui nous ont permis de mettre la main au collet du nommé Villepic Dunès dans l'après-midi du jeudi 10 décembre 2020 à Delma 75. Cette arrestation constitue un pas très important pour l'avancement de l'enquête dans la mesure où nous disposons des éléments d'information qui nous permettent de réaliser qu'il serait impliqué dans l'assassinat de Maître Montferrier d'Orval et d'autres individus sont activement recherchés par la police. N'a précisé que bon l'autre élément qui est très important dans le cas d'enquête là, c'est le nommé Alex alias Black qui c'est un bras armé Villepic Dunès qui t'a un tout dans auteur ou bien présumé auteur matériel assassinat Maître d'Orval là, et bien nous apprendre que le nommé Alex alias Black, a été exécuté le lendemain de l'assassinat de Maître d'Orval, soit le 29 août 2020, vers les 8 heures du soir, et du côté de Juvena, dans une boutique. Et c'est sûr et certain que, comme c'était une bras armé Villepic Dunès, eh bien, n'attendait le niveau de CPJ, et pour nous capables d'élucider les circonstances dans lesquelles Alex alias Black est tombé, alors que nous dit que c'est à une auteur matériel assassinat Maître d'Orval, en tout cas, une présumée. Et en ce qui a trait aux actes de violence perpétrés au niveau des écoles publiques et privées, nous constatons que des individus mal intentionnés s'amusent à violer l'enceinte des établissements scolaires, en vue de les vandaliser, de brutaliser les élèves et même d'attenter à leur vie. Nous leur rappelons que ces faits sont prévus et punis par la loi et que le parquet mettra l'action publique en mouvement contre tous ces délinquants. Merci. Donc, j'attends vos questions. Question, M. Villepic, et selon l'information qui a circulé et que nous avons sur les réseaux sociaux, M. Sarah a gagné deux bâtiments, un bâtiment qui s'est chargé de mission dans le ministère intérieur, et en même temps, tout, il s'est chargé de mission au niveau du palais national. Et nous avons connaît qui est l'information que le parquet a lui-même gagné, ou bien est-ce que nous connaissons qui est. Est-ce qu'il y a un lien entre des institutions SAO et M. Villepic? L'autre question, sous-question, nous avons un mandat qui a circulé sur les réseaux sociaux. Côté que vous mettez le mandat de Jatimanis. Est-ce que vous pouvez reprendre les questions? Parce que je dois noter. Première question. Sur les réseaux sociaux, nous constatons qu'il y a deux badges qui ont circulé pour M. Villepic. Youn mentionné que c'est chargé de mission dans le ministère intérieur. L'autre là, c'est chargé de mission dans le palais national. Est-ce que le parquet est capable de faire une explication sur ça? Et deuxième question. Nous avons gagné un mandat qui a circulé, mandat d'amener contre Jean-Timanis, contre José Mélenchon. Est-ce qu'on est capable d'expliquer pour et tout le monde capable de connaître pour société en tant que chef de poursuite, est-ce que les gens sont des gens que nous
nous avons preuve que c'est eux-mêmes qui étaient impliqués dans la question de vandaliser. Bon, je ne t'ai pas parlé à vandaliser ensemble des institutions scolaires. Et qui ça, nous avons eux-mêmes à revoir avec ça. Est-ce qu'il va rester dans le cadre de persécution politique? Bon, et pour la première question, m'abzou que nous effectivement appréhendé M. Vilpik Dunès, mais alors, pour le moment, on a auditionné lui au niveau de la DCPJ. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a des informations que la baille, et l'idée doit à travailler en côté, donc c'est lui qui va gagner pour le confirmer si oui ou non il a travaillé là. Mais quel que soit côté il a travaillé, même s'il a travaillé dans le ciel, n'a pas arrêté. Donc c'est ça que nous devons connaître. Donc dans le cas d'enquête, ça, pas une personne que n'a protégé et pas une personne que n'a épargné. Et en ce qui a trait au mandat d'amener qui ont été émis à l'encontre de Josué Mérilien et Jean Timanis, bon, c'est que nous sommes en période et pays loc, ensuite en période COVID-19 qui fait que l'école là est pratiquement paralysée pendant toute année scolaire là. Donc, quel que soit mon gain droit, fait passer revendication. Mais il faut qu'on fait lui selon les formes prévues par la loi. Automatiquement, qu'on rentre dans commettre des actes de vandalisme, ou rentre dans tirer sur l'élève l'école, ou rentrer dans attaquer élève l'école, donc là, ou vin pas manifester encore, nous considérons purement et simplement comme moun qui a fait des ordres, pour ne pas dire des délégants. Et il y a deux moun que la clameur publique dénonçait comme étant les auteurs de ces actes de vandalisme. C'est la clameur publique qui dénonçait. D'accord, merci. C'est confirmé que mon dadé est bon, bon, c'est Noël sur bon, pourquoi vous me posez cette question? Mais pourquoi? Non, mais écoutez. Il y a un mandat. Non, mais écoutez, monsieur Dimanche. La loi prévoit qui ça pour gagner un mandat. Donc, il faut le motif légal. Quel le motif légal? Vous n'avez pas vu? Non, mais vous dites sur les réseaux sociaux. Non, mais attention. Donc, mandat, depuis mettre nécessairement, faut qu'on motif. C'est-à-dire qu'il faut qu'on commette une infraction. L'important pour nous de savoir, est-ce que c'est confirmé des mandats ont été émis à l'encontre de ces deux messieurs-là, à savoir M. Mélinien et M. Tani. Et aussi Thierry. Non, je précise que dans le cadre des actes de vandalisme qui ont été perpétrés au niveau de la capitale, il y a des monde que nous clairement identifié et nous remettre mandat d'amener contre. Oui. Donc, ça dit là, moi confirmé que nous remettre mandat d'amener contre. Et Yuri, et Mérilien, et Gentil Madame. Donc, sous base clameur publique, c'est ça, c'est. Base clameur publique et commissaire. Ok, monsieur le commissaire du gouvernement, maintenant, comment expliquer que Yuri, ça a été évoqué là? Si vous avez un bureau, vous avez un bureau et fait photo devant votre photo matin. Lorsque vous avez un mandat d'amener. C'est bon. Monsieur Tandé, normalement. Et vous êtes journaliste, vous êtes très avisé. Je n'ai pas invité Tiouri à se présenter au parquet. Je n'ai pas demandé le J'ai émis un mandat d'amener à son encontre. Qui a été remis à la police pour exécution. Donc maintenant, on dit que le devine est là. Si on est là et que je mets un mandat d'amener contre le monde, c'est qu'il y a maintenant, il s'amène, c'est ça le dit, mais m'a tout précisé tout que je là et que le parrain pour le vin joint moi. Moi, je demande la police pour mener le bas moi. Donc c'est ça pour qu'on est comme journaliste. La police, bon, j'ai l'impression que vous êtes sur la lune. Parce que, et on pourrait nous préciser ça tout récemment, dans les trois premiers mondes que nous avons arrêté, le téléphone portable de l'ancien bâtonnier a été retrouvé entre leurs mains. Donc c'est hier que nous avons appréhendé le nommé Vilpik Dunès. Mais qui rapport ça avec le téléphone là? Combien de recherches ou cinq. Combien de
Et dans quatre qui dossier? Dans quatre dossiers et d'Orval. Non, ça m'a obligé de préciser ça n'a pas fait. Donc, c'est mais sauf que. Non, 5 mandats. Combien de mandats? 5. Non, parce que. Mon Bobby, attendez. C'est pas mandat. Non, écoutez. Et comme journaliste, ça te pose une question sur le motif. Mandat, il faut le gagner dans le monde. Le mandat doit être écrit en créole et en français. Il a dit ou non? Il faut le gagner un motif. Faut m'écrire dans mon nom, moi faut m'signer, faut le sceller et faut que mon texte de loi qui prévoit fait un criminel. Donc vous voyez le motif. Vous voyez le motif et ça se trouve dans le mandat. Bon, nous avons déjà mon nom est jusqu'à présent, est-ce que nous qu'a dit la mort bâtonnière il y a un rapport avec travail comme avocat. Bon, là, on a fait des révélations que je n'ai pas fait pour le moment. Parce que je me dis que je n'ai pas exploité toute piste. Je ne vais pas aller indexer tel ou tel secteur. Mais je me dis que, il y a des gens, par exemple, Villepic du Nessa que nous avons arrêté, c'est un élément clé dans le dossier. Et c'est ça que fait, je fait tout ça dépend de moi pour que je m'arrête. Je me rappelle tout que son monde, depuis le, il au courant que Batoumi a mouru, nous arrêter Mackinder Frisemé, Villepic du Nes, c'est quelqu'un qui était en fuite. Donc, nous invitons le DCPJ, il n'est pas présenté sous prétexte qu'il était malade. Donc, nous faisons tout ça dépendre de nous, nous appréhender. Et je précise que Black, qui a été exécuté le lendemain de l'assassinat de Medora, c'était une nombre armée, monsieur. Il faut nous connaître les conditions dans lesquelles Black a été exécuté. Commissaire, tu nous apprends que il y a deux trois mois que nous avons dit avant ça, c'est un machin de papa. Il expliquait que il vient de rendre le téléphone à un point et ancien compagnie. Mais qui vous a appris ça? Qui vous l'a appris? Nous sommes des journalistes. Non, mais attention. Non, écoutez. Nous n'avons pas. Mais on dit nous. Non, attendez. Non, écoutez. On dit nous apprendre. C'est la police qui a positionné. Nous n'avons pas encore rendu public les résultats de l'enquête. Bon, vous dites que vous avez appris. Mais nous ne sommes pas tenus de révéler nos sources. Non, mais je ne vous demande pas de révéler vos sources. Nous avons appris. Non, vous n'êtes pas obligé. Oui, mais nous avons appris. Est-ce vrai ou faux? Et vous pouvez éclairer en antenne comme ça. Est-ce vrai ou faux? Quoi? Est-ce que c'est vrai que vos machines ne sont pas là qui dit que vos machines qui juste viennent dans vos voyants, qui ont un téléphone, elles pensaient que Mounio dit que. En fait, il pensait que c'est Moun qui va le partir parce que Moun va le prétexte. Et il a ce téléphone avec un coup dérisoire en pensant que le dégât son gros l'argent. Et Machin Papa a confirmé que si mon téléphone là, c'est dans le téléphone là que vous avez. Bon, moi, je ne pas ça du tout. Mais au moment opportun, il y a du bagage à prendre public. Donc, ça avait deux blagues qui m'ont mis à vous tabler en dehors. Non, je ne pas ça du tout. On n'a pas avancé. Et même le DCPJ arrivé dans le point, il déférait le dossier. Je vais acheminer au cabinet d'instruction, j'ai d'instruction qu'à la commission rogatoire à DCPJ. Et qu'on y a là, il y a deux monde que m'a inculpé. Parce que le juge d'instruction que m'a déféré dossier à Bali, eh bien, il pourra inculper toute personne qu'il soupçonne avoir participé comme complice ou auteur à la commission de l'infraction. Parce qu'il est saisi in rem et non in personam. Ça veut dire que même le c'est un map voye dossier avec moun que m'jouen yo, mais li même dans le cas d'enquête là, li kap inculpé n'importe l'autre monde. Que le sinek ta kap impliqué. Parce qu'il n'est pas saisi in personam. C'est sur les faits qu'il est saisi. Okay, c'est Génapini. Est-ce que jusqu'à présent, vous êtes confortable? Enquête là avancé. Donc nous commençons à connaître écoute la mort, mais ça va le sortir. Enquête là avancé très bien. Et avant. Merci beaucoup. Oui. Tu as gagné deux mots de trop que le président et les conseillers de la cour n'ont pas accepté. Effectivement, j'ai eu une conversation avec le ministre des Travaux publics. Bon, il avait reconnu qu'il y a eu deux mots de trop. Et là maintenant, je me suis excusé au nom de mon gouvernement auprès de l'institution, l'une des institutions les plus prestigieuses du pays. Ça, on l'a fait.
Là maintenant, je pense qu'il y a eu une très mauvaise interprétation. Le gouvernement n'a aucun intérêt et n'a non plus aucun besoin pour contrôler la Cour. D'ailleurs, c'est une institution qui est régie par les lois de la République. Là maintenant, nous avons toujours communiqué avec la Cour. Si il y a des goulots d'étranglement qui empêchaient lui-même que le fait travailler, d'ailleurs, gagné. Et le gouvernement, conjointement avec la Cour, il a besoin du monde du soupérandi. Si il y a des bails pour changer le mode de fonctionnement, nous avons fait ensemble. Ce n'est pas une décision que le gouvernement prend unilatéralement. D'ailleurs, la Cour, c'est une institution indépendante et autonome. Nous là pour accompagner pour le faire travailler dans les limites prévues par la loi. Non, ça qui arrive que nous faisons des décret pour ça. Mais nous faisons conjointement avec la Cour si il y a des goulots d'étranglement qui existent. Président, pas gain. Bon, écoutez, et moi je dis, le mensonge est pathologique dans le pays. Tout le monde a bien menti et malheureusement, tout le monde parle dans tout le bagaille. Il n'y a pas besoin qu'on ait pas étudié journaliste, il a érigé le journaliste, il a parlé. Il a dit c'est ingénieur, il a dit c'est agronome, tout le monde parle dans tout le bagaille. Et nous avons les réseaux sociaux qui racontent du n'importe quoi. Et heureusement, il y a des journalistes chevronnés, tant que nous, qui n'ont pas besoin de faire buzz, mais qui vérifier toute information. Par exemple, m'a profité présenter yon félicitation à Nouveliste, qui est toujours élève, ou même personnellement, le pour vérifier information, ou élève pour vérifier information. Vous allez toujours à la source. C'est-à-dire, on ne pas quoi moun kap parle, dit ça ouvre avec bouche, et des fois, vous parlez des bagages que vous pas même maîtrise. Alors, pas gen ça du tout. Rapport Petro-Caribéa, le gouvernement l'a reçu avec beaucoup de satisfaction et j'ai même écrit une correspondance au président de la Cour, au juge de la Cour pour les remercier. Et là maintenant, je suis en train de travailler sur ce rapport pour si gagner un éclaircissement pour me porter parce que malheureusement l'administration ou l'on prend ni ou prend là avec ni actif ni passif. Là maintenant, c'est moi le Premier ministre qui doit répondre. Et non seulement Premier ministre, mais ministre de la Planification, moi je viens pour me répondre la Cour là. Si il y a des explications à demander, il n'y a pas de joindre. OK? Là maintenant, il faut que je réagisse au rapport là et je suis en train de travailler pour répondre au rapport et donner des explications correctes à la population haïtienne sur la gestion des fonds pétro-caribéens. Très bonne question. Et m'a salué Télézénith et m'a salué Frémoin et le PDG au Nicolet, c'est un ami de 25 ans. Et m'a dit un président par moun des Anglais. Lise moun Damasin dans zone Koto. OK. Deux son monsieur que me connais depuis quelques années parce que je connais un peu les hommes et les choses de ce pays, moi là quelques jours. Et je n'ai pas quel intérêt pour bloquer quoi que ce soit. Numéro 3, on a décelé des problèmes de communication entre la Cour, qui est une institution indépendante, et différents ministères et différents bureaux déconcentrés ou bien autonomes dans l'État.
Parce que la cour là, c'est pas un sec fermé. La cour là ouvert. Quel que soit leur besoin d'information, là-bas. Ou besoin de formation, tout, là-bas. Il suffit de solliciter. D'ailleurs, rencontre ça me fait là dans la cour là. Moi, j'étais supposé faire plusieurs mois déjà. Et moi, j'étais sollicité rencontre là avant même le dialogue communautaire là. Il était question que je rencontre mardi, mais malheureusement, nous tenons une période de côté. Il y a plusieurs juges dans la cour là qui étaient en vacances et ils ont besoin de réunir plus de monde pour me rencontrer. Discussion ça me fait avec eux. Les gars de fonctionnement de la cour là, tout. Parce que pas oublier, moi c'est premier ministre, je suis le chef de l'administration publique. Moi besoin de connaître qui problème la cour là gagne pour le fonctionner, pour mettre les moyens nécessaires à sa disposition pour le fonctionner. D'ailleurs, c'est le premier bail que je me demandais pour me discuter avec le président. C'est pour ça que j'ai besoin de faire une visite de courtoisie. Là maintenant, le problème des contrats est posé et je me rends compte que la cour là, elle est esclave de la loi. Tout comme moi-même en tant que premier ministre, je suis esclave de la loi. La cour là, elle évoque la loi pour le rejeter un contrat ou bien pour le bailler un avis défavorable à un contrat. Mais là, le avis défavorable, ce n'est pas dire de ne pas faire contrat. Parce que ce n'est pas rejeter le contrat. L'imando pour corriger Kayo. Là maintenant, pour besoin corriger Kayo plus vite possible pour contrat ne pas traîner dans la cour. Là. Ensuite, nous avons une période de COVID-19. La dernière question que j'ai posée au président de la cour, du moins aux membres de la cour, était pour qui ça n'a pas qu'à respecter 5 jours qui sont prévus par la loi. Mais dans ma petite tête, avec tous les problèmes que je suis en train de gérer, j'avais oublié que nous étions dans le contexte de COVID-19 et moi-même encore, je fais un circulaire, un arrêté sorti pour me demander que la fonction publique là, fonctionne à 60% de sa capacité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tout le personnel nécessaire ni l'espace nécessaire pour loger tout le monde, pour liquider le contrat qui vient de la caillou. Je saisis tant de quantité de contrat que la cour là, les recevoir chaque année, chaque mois. Avait dit, nous entendons, nous accordons des violons, nous. Ok? Je me suis excusé pour les 2 mots de trop tenus par mon ministre des Travaux Publics. Nous sommes leaders dans la question sur sa lien. C'est pour ça que j'ai choisi d'excuser dans la place, parce que nous sommes un gouvernement solidaire. Il y a eu des mots de trop. Moi, j'ai une responsabilité dans 2 mots de trop que tu fais et je me suis excusé. Et c'est ça qui fait tout grand nègre, grand garçon, gros nègre dans le monde, c'est leur fait une erreur ou corriger. Là maintenant, on est dans de très bons termes avec la cour. Bien entendu, a toujours gain fautement parce que m'a toujours fait erreur. La cour là, li là pour corriger erreur yo. Elle corrige yo avant. Parce que c'est un coup c'est audité la cour pour auditer gestion moi-même. L'homme sorti dans la primature là, ou bien tout ministère que je dirige déjà dans 2-3 ans qui passé. C'est le service que la cour a pris pour qu'il y ait un arrêt de débat, c'est ça? Quitus, débat si je fais ça pas bon, quitus si je fais ça bon. Et dans les 2 cas, je ne suis pas même contre ça. Que c'est débat, que c'est quitus, la cour là, l'a invité à venir pour me d'accord avec le rapport que le bail sous moi. Je fais qu'apprendre ça là. Avait dit, nous avons besoin de former tête nous. Nous avons besoin d'entendre l'institution. Nous avons besoin de renforcer l'institution. La Cour de cassation, c'est l'une des rares institutions qui a kembe toujours. Et nous là pour nous renforcer. Quel que soit mal que ça fait, moi-même en tant qu'ingénieur civil, nous sommes bien content. Il y a 50 confettes dans le pays. Mais il y a les normes à respecter. Chaque erreur que nous faisons la cour de nous corriger, nous avons corrigé. Et nous promettons tout que dans un temps record, quand nous corriger, il y a travaillé avec nous, il y a formé nous, il y a alphabétisé nous dans la gestion de contrat, il y a alphabétisé nous dans. Parce que pourquoi des alpha pour un qui mot pour mettre pour tout l'autre domaine. Yo. Mais nous là pour apprendre et nous avons courbé nous aux exigences de la cour. Et on dit aux garçons qui ne peuvent pas être limités
avez annoncé récemment que vous avez presque terminé avec la question de l'implantation territoriale. Bon, je ne vais pas répondre sur le conseil électoral là, mais c'est incessamment l'abvini. Ok. Ok. Incessamment l'abvini. Ensuite, qui s'en est discuté? Comme dit nous, dans le premier moment, je discuté des problèmes de la cour parce que Jean Doula, j'ai besoin de faire une visite de courtoisie déjà et j'ai sollicité les rendez-vous avant dimanche. C'est-à-dire, et visite-moi là jeudi. Li seulement te reporté parce que vous avez besoin de mettre plus de juges à ma disposition. Nous discutons de ça. Nous discutons des différents contrats qui traînent entre, qui font la navette entre le gouvernement, les différents ministères, les autres directions, les autres institutions avec la Cour. Nous entendons nous sur qui gens pour nous réacheminer. Parce que tous ces contrats qui étaient venus déjà, mais la Cour là, elle fait des recommandations que nous avons respectées à la lettre. Pour au moins libérer un avis favorable pour le projet. Il y a là-dedans tout. Non, tout ça la cour l'a demandé, n'a pas revoyé au tourné. Moi, c'est Jean-Augustin, c'est le directeur en charge du concept. Qu'est-ce qu'on a adressé particulièrement après un président pour le président pour le contrat, et c'est au cas de l'État. Tout d'abord, propos que le ministre a voulu la prétendue. Que nos dernières réactions institutionnelles pour les liens étaient essayées de poser des préjudices graves. Et contre l'institution, nous avons connu programmation. Pourquoi? Qui s'est préjudicié? Deuxièmement, après l'encontre avec le Premier ministre, est-ce que propose ça comme irritant? Est-ce qu'il y a des papiers? Et deuxièmement, ça nous discute bien. Qui des informations qu'on a parlé avec, ou bien qui consorte, qui est là, en fait, quoi toujours, chacun a dit qu'on problème des ressources, chacun a dit, mais qu'il y a des ressources limitées, mais il n'y a pas suffisamment de ressources pour lui faire travailler. Est-ce que, en dehors de point de vue, qui est posé limitant, propos qui est adressé pour l'exécutif d'accord pour moi, en dehors de point ça, est-ce que nous entendons, dans le nouvel exercice qui va commencer le 1er octobre là, voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.